Ceci n'est pas un journal TV. Cette mise en scène est faite pour vous expliquer comment utiliser un fond vert et vous montrer les erreurs à ne pas faire. Bon visionnage. Bienvenue sur Fouzé TV, à la une, l'actualité. Livia Bébi, journaliste internationale, nous fait compte rendu de son interview avec Idriss Elba, précision dans ce journal. Grand infectiologue Dr Sananta Soglo semble avoir trouvé avec son équipe un vaccin contre le coronavirus. Elle a reçu tous les soutiens de l'Afrique et l'Asie, mais plusieurs États tels que la France ne sont toujours pas convaincus de l'efficacité de ce vaccin. Reportage dans quelques instants. Découverte d'une nouvelle chaîne Fouzé Photo Vidéo, la chaîne qui vous apprend à devenir photographe ou vidéaste professionnel et vivre de votre passion. Cette chaîne est détenue par un jeune entrepreneur béninois vivant au Canada dont ses plus grandes ambitions sont pour l'Afrique. Reportage par Amadou Kané. Revenons sur l'événement qui a regroupé les plus grandes stars de la musique et du cinéma. Livia est avec nous pour nous faire part de son entretien avec Idriss Elba. Bah, écoutez, notre entrevue s'est très très bien passée. Nous avons discuté éventuellement des prochains événements qui allaient avoir lieu malgré cette pandémie, parce qu'on le rappelle, hein, nous sommes encore dans le Covid. Cependant, j'ai eu un résumé assez explicite de Idriss Elba qui était quand même assez surpris de la joie qu'avaient les autres acteurs et les autres chanteurs du milieu du hip-hop et de l'électro qui se sont retrouvés dans cet événement assez, je pourrais dire, non classique à ce qu'on a pu voir avant, justement à cause de la pandémie. Eh bien, merci pour ces informations précieuses, Livia. Merci à vous. Retour au studio. Grand infectiologue Sananta, qui est à la tête de la compagnie Glosson Industries, nous donne plus de précisions sur la découverte du vaccin. Alors, bonjour, je suis le docteur Sananta Soglo. Avec mes équipes, nous avons trouvé un vaccin contre le COVID-19. Avec nos avancées, nous espérons pouvoir le commercialiser avant la fin 2020. Avec l'aide de l'Asie et de l'Afrique qui nous ont donné aussi pas mal de financements, nous avançons assez rapidement. Bien sûr, il nous manque quelques financements venant d'autres pays occidentaux, mais nous espérons les avoir sous peu. Donc ne vous inquiétez pas, surtout, nous allons vite pouvoir sortir de cette pandémie mondiale. Voilà, on va s'arrêter là. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait cette vidéo en utilisant un fond vert. C'est parti. Si je te parle de Avatar, Avenger ou Marvel, tu vas sûrement penser à des films de super-héros dans des univers vraiment world. Tu te demandes comment ça s'est fait. Eh bien, laisse-moi te dire que tous ces films ont été faits sur un fond vert. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer aussi comment toi, tu peux réaliser ta petite incrustation avec un fond vert. Tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Je vais te donner 5 étapes qui vont te permettre d'y arriver et reste jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais te dire surtout les erreurs à éviter. Alors, pourquoi un fond vert? C'est parce que le fond vert, déjà, il y a deux couleurs. Il y a le fond vert et le fond bleu qui sont utilisés en cinéma. Le fond vert est le plus utilisé parce que le fond bleu, lui, va demander plus de lumière. Mais par contre, c'est un fond qui va bien matcher avec la peau. Donc, si vous avez besoin d'un fond bleu, vous aurez besoin de plus de lumière. Mais par contre, qui dit plus de lumière dit plus de budget. Donc, nous, on n'a pas beaucoup de budget, donc on va se contenter du fond vert. Alors, tu vas te demander pourquoi pas le jaune, le rouge, le noir? Pourquoi pas C'est parce qu'en fait, le fond vert ou le fond bleu, c'est-à-dire les couleurs vert et bleu, sont des couleurs qui sont très éloignées de la couleur de la peau. Donc, ce qu'on demande au logiciel après, c'est qu'on dit, écoute, enlève-moi tout ce qui est vert ou tout ce qui est bleu, c'est-à-dire les pixels vert ou bleu. Et ce que le logiciel va faire, il ne sait pas ce qui se passe dans l'image. Il va juste enlever tous les pixels vert ou bleu dans l'image. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester juste le reste des acteurs, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont dans l'image, sauf le fond vert. Alors nous avons plusieurs types de fonds. Nous avons les fonds qui sont pliables, donc ce sont les fonds que moi par exemple j'ai utilisé dans cette vidéo et que j'ai acheté sur Amazon. Il y a aussi des fonds en tissu. Ce sont des fonds que vous pouvez aussi trouver sur Amazon ou d'autres sites de vente. Par contre, il faut faire très attention par rapport à ce type de fonds parce qu'il y en a qui sont vraiment de mauvaise qualité. Et ce qui va se passer, c'est que par exemple si vous avez des fonds qui sont transparents, le logiciel ne pourra pas détecter que des pigments verts étant donné qu'à travers le tissu, nous avons aussi d'autres informations qui sont présentes.
Et enfin, nous avons aussi les grands murs qui sont peints en verre. Ça, c'est vraiment pour les grosses productions. Et je pense que toi et moi, je pense pas qu'on a encore besoin de ça pour l'instant. On va se calmer. Eux, ils sont chauds. Nous, on va rester tranquille. D'accord? Alors, pour réussir votre incrustation, il est très important de maîtriser la lumière. Le fond vert doit être uniformément éclairé. Donc, ce que nous avons fait, nous avons utilisé deux lumières pour éclairer le fond de part et d'autre. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut aussi détacher le sujet de l'arrière-plan. Donc, nous avons utilisé ce qu'on appelle un backlight. C'est une lumière qui va venir de derrière et qui va contourer le sujet. Donc, c'est ce qui va faire que le sujet aussi sera détaché du fond vert et faciliter l'incrustation en post-traitement. Autre chose aussi, si vous avez aussi assez de place dans votre pièce, vous pouvez aussi avancer un peu le sujet pour le détacher encore plus de l'arrière-plan. L'une des choses les plus importantes et qui vont aussi faciliter votre incrustation, c'est de bien préparer votre scène. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire si par exemple vous filmez dans la nuit, vous ne pouvez pas avoir un fort éclairage parce que si vous faites l'incrustation, ça ne va pas donner quelque chose d'assez logique. Autre chose, si vous avez aussi la lumière qui vient par exemple de votre gauche et si vous éclairez votre sujet de la droite, ça va très vite se voir. Il y aura quelque chose qui n'est pas logique dans l'image. Donc vous allez vous dire, ça c'est du Nollywood. Oh. Il est très important de préparer votre scène, de savoir déjà quel est l'arrière-plan que vous allez remplacer par le fond vert et les mouvements de l'acteur doivent fondre dans le fond. Maintenant, venons-en au boîtier. Les réglages du boîtier sont très importants pour vous permettre une très bonne incrustation. Donc tout à l'heure, je vous avais dit qu'il fallait avancer le sujet pour créer ce qu'on appelle le détachement, ok? Mais par contre, si vous avez un objectif qui a une très grande ouverture, ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser la plus petite ouverture de votre objectif. Là, ça va encore détacher votre sujet de l'arrière-plan et on aura vraiment un fond vert qui est flou. Autre chose, il est très important que votre fond vert n'ait pas de plis. Donc, soit vous avez deux options, c'est de vraiment lisser votre fond ou de l'étirer si c'est un tissu pour éviter le maximum de plis parce que les plis, ça va créer ce qu'on appelle des ombres et les ombres, c'est très, très difficile à gérer en post-production. Ou soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'essayer d'avoir un objectif qui a une bonne ouverture. Et ce qui va se passer, c'est qu'en créant ce flou d'arrière-plan, on ne verra plus les plis. Donc, c'est aussi une très bonne alternative d'avoir un objectif qui a une grande ouverture. Alors une fois que vous aviez tout, vous avez votre image, vous avez votre vidéo qui est prête, vous allez maintenant aller sur un logiciel de post-traitement. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est Premiere Pro. Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé l'effet qu'on appelle Ultra Key. C'est un effet très simple qui va utiliser une pipette et la pipette, vous allez juste cliquer sur un endroit du fond vert et vous allez voir que le logiciel va tout de suite éliminer tous les pixels verts de votre image. Après, vous n'aurez qu'à remplacer l'arrière-plan par l'image que vous voulez utiliser. Et voilà, c'est aussi simple que ça, faire une incrustation. Donc, alors revenons dans Premiere Pro et pour les ombres, je vais prendre les ombres de Samantha. Okay. Donc, ce que nous allons faire pour un premier temps, nous allons utiliser les deux images que nous voulons incruster, c'est-à-dire l'image originale et l'image d'arrière-plan. Donc ici, j'ai déjà importé les deux images dans Premiere Pro. Donc, avant de commencer, tous ceux qui n'ont jamais utilisé Premiere Pro, ça va être un peu compliqué pour vous de comprendre. Mais si vous utilisez d'autres logiciels comme Final Cut, c'est un peu le même principe. Donc, si vous me suivez, vous allez bien comprendre. Pour vous qui utilisez déjà Premiere Pro, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment facile. Ça se fait en deux temps mouvement. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord essayer de sélectionner la partie de la vidéo que je vais incruster. Donc, je prends la vidéo ici et je regarde un peu. OK, donc cette partie me plaît déjà. Donc, pour le début, je fais I. Et pour la fin, je vais appuyer O. Donc, c'est In-Out pour juste prendre une sélection de la vidéo et non toute la vidéo. Donc, ce que j'ai fait, je vais glisser la vidéo dans la timeline. Donc, voilà la vidéo que j'ai envie d'incruster. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais appliquer l'effet justement qu'on appelle Ultra Key. Et pour cela, déjà, je vais déjà sélectionner la vidéo, très important. Et je vais aller dans les effets, dans le menu juste ici. Et je vais chercher Ultra Key. Donc, Ultra Key, d'accord. Et vous allez voir, l'effet s'est affiché ici. Donc, je vais cliquer sur l'effet. Je vais le glisser, déposer directement sur la vidéo. Voilà. Donc, si on revient sur l'édition ici, voilà, là, on voit dans les effets contrôle de la vidéo, vous allez voir juste en bas ici, voilà, vous allez voir l'ultra qui s'est ajouté. Donc, pour appliquer justement l'effet de transparence, il faut juste prendre la pipette qui est juste ici et vous allez cliquer sur une partie du fond vert, juste comme ça. Et vous avez vu, le fond vert a disparu. Donc, la partie noire veut dire juste qu'il n'y a plus rien. Donc, si elle n'est pas complètement noire, ça veut justement dire que il y a encore du travail à faire.
Donc, ce que je vais faire, je vais encore bien recliquer. Voilà. Maintenant, avant de continuer, ce que je vais faire, je vais ajouter l'image que j'ai envie d'incruster pour voir où je vais dans mon processus. Donc, pour le faire, très important, l'image que je vais incruster doit rester en bas de la vidéo. Donc, pour le faire, je vais monter d'abord la vidéo originale vers le haut et je vais mettre l'image juste en bas. OK. Donc, je vais un peu l'élargir pour que c'est la même longueur que la vidéo. Donc, l'image est juste derrière, mais elle n'a pas la taille de l'écran. Donc, ce que je vais faire juste, c'est changer les paramètres de grandeur de l'image. Donc, je clique sur l'image et je viens sur la fonction Scale qui veut dire agrandir. Donc, je vais agrandir juste l'image comme ça pour que ça occupe tout l'écran. Donc, vous voyez clairement que l'image est, prend la partie où il y a le fond vert. C'est tout à fait normal parce que la fonction Ultra qui a effectivement enlevé tous les pixels verts de l'image. Donc, forcément, l'image que j'ai mis prend la partie du fond vert. Maintenant, comment éliminer les autres parties? Ça, c'est très facile. Nous allons utiliser ce qu'on appelle un max d'opacité. Donc, je vais recliquer sur l'image originale, très important. Et là, je vais voir où est ici l'opacité. Je prends juste le petit pinceau ici, que je vais faire juste un contour grossier, juste autour d'elle, comme ça. Voilà. Et je vais fermer. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va justement enlever tous les éléments qui sont justement de l'autre côté de l'image. Et voilà. Donc, là, elle est déjà incrustée, mais si vous faites très attention, vous allez voir que on voit quand même un peu le fond vert qui n'est pas encore si propre que ça. Donc, heureusement, la fonction Ultra Key, c'est la fonction qui vient avec d'autres paramètres, bien sûr, à part la pipette. Donc, pour l'utiliser, recliquez d'abord sur la vidéo originale, afin d'accéder aux fonctions d'Ultra Key qui sont juste ici. Et vous allez voir ici, nous avons comme des paramètres comme Match Generation, Match Clean Up, Skill Suppression. Donc, ce sont des paramètres qui vont permettre d'affiner un peu les petites erreurs qui ont été faites dues au mauvais éclairage. Comme je vous l'avais dit précédemment, si vous n'avez pas un très bon éclairage, vous allez voir qu'il y a des petits défauts qui sont visibles quand même. Mais avec les fonctionnalités de l'Ultra Key, on peut quand même résoudre ces différents problèmes. Maintenant, il faut aussi savoir que ce sont des valeurs, les valeurs que je vais utiliser ou les valeurs que je vais modifier ne seront pas forcément les valeurs que vous allez utiliser pour votre incrustation à vous. Donc, essayez de modifier quelques valeurs, changez un peu et avec un peu de pratique, vous allez voir qu'il y a certaines valeurs que vous allez changer d'habitude pour régler votre problème. Moi, par exemple, je sais déjà qu'il faut que je change le contraste. Donc, quand je vais venir sur Matchup Cleanup, je vais prendre le contraste, je vais l'augmenter un peu. Donc, vous voyez, ça commence à disparaître. Et ensuite, le midpoint, quand je vais le changer, vous voyez, il a complètement disparu. Donc, c'est des valeurs que j'utilise d'habitude. Donc, je sais que quand je vais justement modifier ces deux valeurs-là, je vais enlever complètement le fond de l'arrière-plan. Maintenant, justement, une fois que vous aviez fini, n'oubliez pas qu'il est très important de respecter les proportions. Donc là, ça fait déjà un peu bizarre parce qu'elle est toute petite devant l'image et tout. Donc, on va essayer de respecter les proportions. Donc, on va revenir sur l'image originale. Donc, cliquez sur l'image originale. On va aller dans les paramètres de grossissement, dans Scale par exemple. Et nous allons juste augmenter un peu sa taille et la placer un peu plus de ce côté. Voilà. Et là, c'est bon. Donc, voilà un peu. Là, quand je fais Play, vous allez voir. Vous voyez. Donc, elle est bien incrustée dans son laboratoire. Maintenant, les erreurs à éviter. La première erreur que moi, je trouve qui est assez difficile à faire, c'est déjà de vraiment matcher par rapport à l'environnement. Vous devez vraiment être très, très attentif par rapport au décor et par rapport au mouvement de votre sujet. Vous allez voir que sur certaines images, j'ai dépassé un peu ou ouais, que le modèle dépassait un peu. Donc, c'est vraiment l'une des difficultés, c'est de rester vraiment dans le cadre. La deuxième chose aussi, c'est de ne pas faire des mouvements brusques. Lorsque vous allez faire des mouvements rapides de votre main, vous allez créer ce qu'on appelle un flou de mouvement. Et c'est très compliqué à interpréter pour le logiciel parce que le flou va se mélanger un peu au fond vert et il aura du mal à détecter. Il va se dire, ça c'est un pigment vert ou c'est la peau, c'est quoi en fait? Il va avoir un peu de mal et ce qu'il va faire, il va juste faire n'importe quoi et vous allez le sentir tout de suite. Donc essayez de ne pas faire des mouvements brusques. Autre chose aussi, vous pouvez, si par exemple pour la production, vous avez vraiment besoin de faire des mouvements brusques, que vous pouvez faire en alternative, c'est d'augmenter la vitesse d'obscuration de votre boîtier. Mais ce qui va se passer, c'est que vous aurez besoin de plus de lumière. Et qui dit plus de lumière, dit gros budget. C'est pas pour rien, les grandes productions ont un peu d'argent. Donc voilà tout ce que tu dois savoir sur l'incrustation. Si vraiment cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un pouce bleu. Ça m'encourage à faire des vidéos de meilleure qualité.
Et si mon contenu t'intéresse, si ma chaîne t'intéresse, je t'invite alors à cliquer sur la cloche et surtout à t'abonner pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Et n'oublie pas, une bonne incrustation, c'est une incrustation qui ne se voit pas. Tchuss! Grand infectiologue Dr. Sananta Soglo. On reprend. Quand je parlais, tu faisais déjà le... Oh, désolé. Ok, je relis.